aimable éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Chers frères et sœurs, chers amis, le Seigneur nous accueille ce matin. Il se réjouit de nous voir dans sa maison et à travers l'Internet. Puisse chacun de nous, dans le cadre de ce service, sentir à l'aise, car accueilli non seulement par le Seigneur, mais par cette communauté de l'église du campus adventiste de Collonges-sous-Salève. Bienvenue à tous, et que la paix de Dieu et sa joie vous habitent. Majesté de notre Seigneur, et n'hésitons pas à aller à lui pour lui dire à quel point nous soupirons après lui et que nous comptons sur lui. Thank you.
Aujourd'hui, en effet, nous pouvons crier à notre Dieu, nous pouvons lui dire tout ce que nous avons sur notre cœur, mais sachant et n'oublions pas qu'il n'a pas entendu que nous l'appelions. Il nous a appelés en premier. Il est venu lui-même à nous. Lorsque nous réalisons que Dieu nous a appelés, qu'il nous aime, qu'il désire notre bonheur, nous sommes poussés à l'adorer de tout notre cœur et à nous prosterner devant lui. Je voudrais vous proposer de chanter ce chant une première fois avec les paroles « Prosternez-vous ». Lorsque nous chanterons « Prosternons-nous », j'inviterai l'Assemblée à se mettre à genoux pour, comme une prière.
Éternel notre Dieu, nous te disons ce matin merci pour la vie, pour ta création et pour toutes tes merveilles. Merci pour ces petites choses dans nos vies qui nous procurent de la joie. Merci pour l'amour que tu as pour mes frères et sœurs présents et pour celles et ceux qui sont absents. Merci pour l'amour que tu nous donnes de recevoir et d'offrir. Nous te louons, Seigneur, parce que nous sommes précieux à tes yeux. Nous ne sommes pourtant que peu de choses devant toi, mais tu nous aimes comme nous sommes, avec nos faiblesses. Merci pour la confiance et l'espérance. Tu désires nous changer pour que chaque jour davantage nous soyons à ta ressemblance. Pour cela, nous te demandons d'inspirer ton serviteur Lucas, qui nous parlera de ta part. Nous te louons, Éternel notre Dieu, pour le pardon, la paix, la joie, la vie que tu nous donnes. Gloire à ton nom, par le mérite de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonjour les enfants, comment allez-vous? Est-ce que vous passez des bonnes vacances? Oh, super! Eh bien, profites-en bien alors pendant les vacances pour te reposer. Très bien les enfants. Ce matin, je vais vous raconter une petite histoire. L'histoire d'une bougie. Une bougie, la bougie de l'espérance. Alors, écoutez bien. Quatre bougies brûlaient lentement. Il régnait un tel silence dans la pièce que l'on pouvait entendre leur conversation. La première bougie dit « Moi, je suis la paix. Cependant, personne n'arrive à me maintenir allumée. Je crois bien que je vais m'éteindre. » Sa flamme baissa peu à peu et disparut. La seconde bougie dit « Moi, je suis la foi. Mais dorénavant, le monde croit que je ne suis plus indispensable. Ça n'a pas de sens que je reste allumée plus longtemps. » Aussitôt qu'elle a fini de parler, une brise légère souffla sur elle et l'éteignit. La troisième bougie se manifesta à son tour et elle dit « Moi, je suis l'amour, mais je n'ai plus beaucoup de force pour rester allumée. Les gens me laissent de côté et ne comprennent pas mon importance. Ils oublient d'aimer ceux qui sont proches d'eux.
et sans bruit, elle s'effaça à son tour. C'est alors qu'un enfant entra dans la pièce et il vit les trois bougies éteintes. Mais pourquoi vous avez cessé de briller, de brûler? Vous devez rester allumé jusqu'à la fin. Et une larme glissa le long de sa joue. Alors, la quatrième bougie murmura. Non, ne pleure pas, petit enfant, ne pleure pas. Tant que j'ai ma flamme, nous pourrons rallumer les trois bougies. Voilà. Alors, les yeux brillants, l'enfant prit la bougie de... Quelle bougie ? La bougie de l'espérance. L'enfant prend la bougie de l'espérance et il fait quoi ? Ah oui, il rallume les trois autres bougies. Tout comme la quatrième bougie, les enfants, nous avons en Jésus-Christ notre espérance. C'est lui qui ranime dans nous, dans nos cœurs, l'amour, la foi, et il met aussi en nous la paix. Bravo. Puisse les enfants, puisse l'espérance en Jésus-Christ ne s'éteindre jamais en vous et dans vos cœurs. C'est ma prière pour vous ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez rejoindre maintenant vos parents et je vous souhaite à tous un bon sabbat. Je vous invite à ouvrir vos Bibles à Genèse 21, versets 22 à 34. Et il arriva qu'en ce temps-là, Abimélec, accompagné de Picot, chef de son armée, parla à Abraham en disant « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Maintenant donc, jure-moi ici par le nom de Dieu que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni ma race. Tu agiras envers moi, envers le pays où tu as séjourné, avec la même bonté avec laquelle j'ai agi envers toi. » Et Abraham répondit, « Je jurerai. » Mais Abraham reprit Abimélec, et à cause d'un puits d'eau dont les serviteurs d'Abimélec s'étaient emparés. Et Abimélec dit, « Je ne sais qui a fait cela, toi-même tu n'en as point averti, et moi je n'en ai entendu que parler aujourd'hui. » Alors Abraham prit des brebis et des bœufs, et les donna à Abimélec, et les firent alliance ensemble. Et Abraham mit à part sept jeunes brebis du troupeau. Et Abimélec dit à Abraham, « Qu'est-ce que c'est cette jeune brebis que tu as mise à part ?» Et il répondit, « C'est ce que tu accepteras, c'est cette jeune brebis de ma main, afin que ce me soit un témoignage que j'ai creusé de ce puits. » C'est pourquoi on appela le lieu là Beersheba, car ils jurèrent tous deux. Ils traitèrent donc alliance, Beersheba, puis Abimélec se leva avec Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Et Abraham planta un tamarin à Beersheba et il invoqua là le nom de l'Éternel, le Dieu d'éternité. Merci Eritiana d'avoir lu le texte de base de la méditation de ce matin. Bonjour à tous. Bonjour à tous qui nous suivent par Internet aussi. Il y a deux jours, jeudi, la NASA annonce la découverte d'une planète habitable semblable à la Terre. Vous avez sans doute entendu parler de cela. C'est tous les journaux qui en ont parlé. D'après ce qu'on nous a dit, cette planète potentiellement habitable est cependant située à 1400 années-lumière de nous. Alors qu'on rêve de rencontrer la vie ailleurs, si l'on réfléchit bien, on se rend compte qu'on a déjà du mal à gérer celle qui se situe
tout près de nous. Il y a 2 ans, à Paris, une rixe entre skinheads et antifascistes causait la mort du jeune Clément Méric. On en a beaucoup parlé. Mais beaucoup plus proche de nous, parfois on se bagarre aussi pour des choses plus simples. Une place de parking au magasin, les miettes sur mon balcon jetées par le voisin qui habite à l'étage. Parfois, lorsqu'on est fâché, on fait des choses qui ne nous ressemblent pas du tout. Le 28 mai dernier, Metro News publie la nouvelle suivante. Elle tue les chats de ses petits-enfants car ils n'ont pas rangé leur chambre. Une grand-mère voulait donner une bonne leçon à ses petits-enfants. Après les avoir menacés de tuer leur chat et ses petits s'ils ne rangeaient pas leur chambre, elle a mis ses menaces à exécution et risque désormais jusqu'à 3 ans de prison. Alors, au nom de tous les chats et les chatons de la terre, les enfants, s'il vous plaît, rangez vos jouets et vos chambres. Ce n'est pas facile de vivre en société. Parfois, on pète carrément le câble. Aujourd'hui, je vous prie de relire avec moi une petite histoire tirée du livre de la Genèse, l'histoire d'Abraham et Abimélec, ou un épisode de leur histoire, en fait. Une histoire qui a été écrite pour nous faire réfléchir sur la manière dont nous pouvons, encore aujourd'hui, nous affirmer dans le respect d'autrui. Alors, je vous invite à prendre le texte de Genèse 21 à partir du verset 22. En ce temps-là, Abimélec, avec Picol, le chef de son armée, vint dire à Abraham, « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. » Qui était Abimélec? Abimélec était le chef d'une ville philistine appelée Guérar. Abraham va donc dans un territoire qui lui était étranger pour y séjourner pendant plusieurs années. La cohabitation entre Abraham et son clan d'un côté et les gens de la ville de Guérar de l'autre a bien entendu provoqué quelques petites tensions. Mais les deux chefs étaient des hommes intelligents. Ils ont été capables de développer des relations amicales et mutuellement utiles. Cependant, Abimélec remarque que Abraham est béni par l'Éternel et que ses avoirs, ses animaux, ses gens, se multiplient à une vitesse remarquable. Or, si vous avez plus de brebis, plus de chameaux, plus de personnes à nourrir et auxquelles donner à boire, il est évident qu'il faudra plus de pâturage, plus d'eau, plus de ressources. Abimélec donc comprend qu'il faut parler à Abraham avant que les vrais problèmes surgissent. Alors voilà un premier principe tiré de cette histoire pour une meilleure vie commune. Être proactif. Il ne faut pas hésiter à prendre l'initiative, à essayer d'anticiper les problèmes lorsque on s'aperçoit que la situation pourrait dégénérer. Abimélec dit à Abraham, « Je vois très bien que ton clan grandit. Essayons de ne nous pas marcher sur les pieds. » C'est vrai qu'on a souvent l'habitude d'être réactif plutôt que proactif. C'est-à-dire, nous attendons que le conflit éclate pour ensuite y faire face. Mais il y a plus de sagesse à être proactif. Il est plus sage de mettre de la crème solaire que de ne pas pouvoir dormir à cause des brûlures. Il est plus sage de bâtir et de garder, lorsque cela est possible, des bonnes relations que de résoudre plus tard un conflit. François de La Rochefoucauld aussi incitait à être proactif. Il écrivait « Les amitiés renouées demandent plus de soins que celles qui n'ont jamais été rompues. » Être proactif signifie ne pas sous-estimer le fait que la situation est sensible et que le possible conflit risque en effet d'avoir des conséquences fâcheuses. Les plus attentifs parmi vous ont sûrement remarqué qu'Abimélec ne va pas tout seul rendre visite à Abraham. Le texte nous dit qu'il amène avec lui Picol, le chef de son armée. Ce n'est pas pour picoler que Picol se rend à cette rencontre. Le conflit que l'on cherche à résoudre
est un conflit qui effectivement risque de dégénérer en guerre. Et la présence du chef de l'armée souligne cet état des faits. Je vous invite à continuer la lecture, versets 23 et 24. « Maintenant, jure-moi ici, par Dieu, que tu ne me tromperas pas, ni moi, ni ma progéniture, ni ma postérité, et que tu montreras envers moi et envers le pays où tu as séjourné en immigré la même fidélité que j'ai montrée envers toi. » Ce sont les paroles du roi Abimélec au bon Abraham. Et Abraham dit, « Je le jure. » Abimélec demande à Abraham de jurer qu'il ne le trompera pas. Et pourquoi ? Cela me fait penser aux paroles de Charles Péguy, « Une amitié est perdue quand il faut penser à la défendre. » « Jure-moi ici, dit Abimélec à Abraham, par Dieu que tu ne me tromperas pas. » Sont-elles les paroles qu'un homme adresse à son ami ? Il faut savoir que Abraham et Abimélec se connaissent déjà depuis un petit moment et qu'Abraham s'était déjà fait remarquer. Si vous tournez une page de votre Bible et vous allez au chapitre 20, donc juste avant l'histoire que nous sommes en train d'étudier ensemble ce matin, eh bien, on nous raconte quelque chose qui s'était déjà passé entre Abraham et Abimélec. Je vais juste lire quelques extraits pour vous mettre au courant du pourquoi Abimélec ne fait pas confiance à Abraham. Alors, juste avant cette histoire, qu'est-ce qui s'était passé ? Abraham partit, puis séjourna en immigré à Guérar. Abraham dit de Sarah, sa femme, « C'est ma sœur !» Et Abimélec, roi de Guérar, fit prendre Sarah. Alors Dieu vint à Abimélec dans un rêve pendant la nuit et lui dit, « Tu vas mourir à cause de la femme que tu as prise, car elle est déjà mariée. » Abimélec, qui ne s'était pas proché d'elle, répondit, « Seigneur, vas-tu vraiment tuer un juste ?» Ne bat-il pas dit lui-même, « C'est ma sœur », tandis qu'elle-même disait, « C'est mon frère. J'avais un cœur intègre et des mains innocentes quand j'ai fait cela. » Dieu lui répondit dans le rêve, « Je sais bien, moi aussi, que tu avais un cœur intègre quand tu as fait cela. Aussi t'ai-je moi-même empêché de pécher contre moi, c'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, c'est un prophète. » Un prophète ? Alors Abimélec appela Abraham, je passe au verset 9, et lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait ? Et en quoi ai-je péché contre toi pour que tu fasses venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché ? Tu as commis envers moi des actes inadmissibles. » Puis Abimélec dit à Abraham, « Mais quelle intention avais-tu pour agir de la sorte ?» Et Abraham répondit, « Je me disais qu'il n'y avait certainement aucune crainte de Dieu en ce lieu, et qu'on me tuerait à cause de ma femme. » Quoi d'étonnant donc si Abimélec se posait encore des questions sur la fiabilité du prophète Abraham. Joseph Joubert disait, « Nous perdons toujours l'amitié de ceux qui perdent notre estime. » Il faut faire trésor des expériences qui nous montrent là où nous nous sommes trompés. Est-ce qu'Abraham a fait cela ? Abimélec dit, « Maintenant Abraham, jure-moi ici par Dieu que tu ne me tromperas pas. » Abimélec sait que la peur et le manque de sincérité qui en résulte pourraient en effet devenir source de conflit. Alors voici qu'il nous met devant les yeux un deuxième principe. Faire preuve d'équité, d'honnêteté et de bonne foi. Principe numéro 1, sois proactif dans tes relations interpersonnelles. Principe numéro 2, fais preuve d'honnêteté et de bonne foi et demande que l'on fasse de même avec toi. L'apôtre Paul, en écrivant aux Éphésiens, avait dit « Rejetez donc le mensonge
et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous faisons partie les uns des autres. » De plus, Abimélec avance sa requête en sachant avoir œuvré en amont pour qu'elle soit bien reçue. « Maintenant, jure-moi ici par Dieu que tu ne me tromperas pas et que tu montreras envers moi et envers le pays où tu as séjourné en immigré la même fidélité que j'ai montrée envers toi. » Il dit « Lorsque j'avais le dessus, je n'ai pas profité pour te faire du mal. » Au contraire, « Maintenant, sois gracieux à ton tour. » Et Abraham dit « Je le jure. » Verset 25. Abraham alors fit des reproches à Abimélec au sujet d'un puits dont les gens d'Abimélec s'étaient emparés de force. Puisque c'est le moment d'être sincère, Abraham saisit l'occasion pour ouvrir un dossier délicat. Il y a peu de choses aussi importantes que l'eau. Et encore aujourd'hui, la gestion des ressources hydriques engendre des âpres conflits. En 2009, la Banque mondiale dénonce l'écart qui existe, par exemple, dans l'accès à l'eau en Palestine, encore aujourd'hui. Un Israélien, d'après le rapport de la Banque mondiale, dispose en moyenne de 4 fois plus d'eau qu'un Palestinien. Nous avons là une source inépuisable, quelle ironie, de conflits entre Juifs et Palestiniens. Abraham dénonce que les gens d'Abimélec, des bergers probablement, se sont emparés de force d'un certain puits que les gens d'Abraham avaient creusé eux-mêmes. Ça me fait penser au Black Friday. Aux États-Unis, au Canada et maintenant depuis quelques années aussi au Royaume-Uni, le Black Friday, littéralement le vendredi noir, mais parfois traduit aussi par le vendredi fou, se déroule le lendemain du repas du Thanksgiving. Il marque le coup d'envoi de la période des achats de fin d'année. Et c'est une période, c'est un jour notamment, où les soldes proposés sont vraiment conséquents. Qu'est-ce qui se passe lors du Black Friday dans les magasins? J'invite la technique à montrer la vidéo. Black Friday is usually an event associated with the States, but today chaos broke out across the UK as customers flocked to get their hands on cut price goods. This supermarket in Wembley, London was overrun with shoppers scuffling to get at the discounted merchandise. Been criticised for failing to have enough staff, and police have been called to dozens of sites due to fighting, and arrests have been made. Alors là, on se bagarre pour du superflu. Imaginez un peu ce que ces bergers ont pu faire pour une ressource aussi indispensable que l'eau. Certes, Abraham aurait pu se taire, il aurait pu dire « Bon, maintenant on est en train de parler d'amitié, de paix, pourquoi ouvrir ce dossier-là » Mais se taire n'aurait fait qu'empirer la situation. Abraham était amer par rapport à ce qui s'était passé à propos de ce puits. Et s'il avait laissé cette amertume et cette rancœur ne pas sortir, ben il aurait pourri de l'intérieur. Ils auraient continué ou peut-être davantage engendré une colère aveugle et brûlante. Parfois, pour maintenir ou poursuivre la paix, il faut partager et savoir exprimer
de manière appropriée sa propre frustration et sa propre colère. Voilà le principe numéro 3. Si utile, exprime de manière appropriée tes frustrations et dénonce poliment les problèmes. Mais attention, ce n'est pas une excuse pour dire tout ce que nous pensons des autres, sans tact et dans le manque de respect et de sensibilité. Ce troisième principe nous invite plutôt à exprimer de manière appropriée nos frustrations, à dénoncer poliment les problèmes pour résoudre des situations conflictuelles qui doivent être discutées avec humilité, dans l'amour et souvent en privé. Continuons la lecture, Genèse 21, versets 26 et 27. Abimélec dit, « Mais je ne sais pas ce qui a fait cela, je ne sais pas qui a fait cela, et toi, tu ne me l'avais pas rapporté. Je ne l'apprends qu'aujourd'hui. » Alors Abraham prit du petit bétail et du gros bétail qu'il donna à Abimélec. Puis ils conclurent une alliance tous les deux. Abraham a fait des reproches à Abimélec. Probablement, il était persuadé qu'Abimélec était au courant de ce qui s'était passé et qu'il était resté indifférent. Par contre, la réponse d'Abimélec montre qu'il n'en savait rien. La question, faut-il le croire maintenant? Est-ce qu'il est sincère? Disons que le narrateur a préparé le lecteur à faire confiance plus à Abimélec qu'à Abraham. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé au chapitre 20? Le lecteur, tout naturellement, est porté à croire à l'innocence d'Abimélec. Parfois, nous faisons la même expérience qu'Abraham. Je place dans la tête de l'autre des pensées, des propos, des raisonnements que l'autre n'a pas du tout eus. Parfois, nous nous convaincons d'avoir le sixième sens. Parfois, nous pensons que nos allusions pour lui faire comprendre notre frustration ont été tellement claires et explicites. Mais peut-être ce n'était pas le cas. Si pour moi c'est évident que je suis vexé avec toi, peut-être tu n'en sais rien. Parfois, les gens ne savent même pas pourquoi nous sommes fâchés avec eux. Voilà donc le principe numéro 4. Ne présume rien, de rien. Ne fais pas de suppositions, mais aie plutôt le courage de poser des questions et d'exprimer tes vrais sentiments. Je sais bien, il ne s'agit pas d'une recette qui marche à tous les coups. Ce n'est pas non plus la garantie de relations toujours heureuses et paisibles. Pourtant, je reste convaincu que c'est ainsi qu'on aura les meilleures chances d'y parvenir. Or, le texte nous dit qu'Abraham accepte la réponse d'Abimélec. Serions-nous prêts à en faire autant? Parfois, je vous le dis par expérience personnelle, il est difficile de croire à l'innocence de l'autre. Mais parfois, il a été aussi difficile de croire à mon innocence. Quoi faire alors? À bien regarder le texte, il ne nous est pas dit que Abraham a cru à ce qu'Abimélec a dit. Le texte nous montre tout simplement qu'Abraham a accepté la réponse d'Abimélec. La nuance est importante. Parfois, il faut traduire dans notre tête le « je ne le savais pas » de l'autre par un « je suis désolé ». Il s'agit plutôt d'accepter une excuse implicite que d'évaluer l'exactitude d'une affirmation. Il nous est arrivé parfois, nous aussi, par manque de courage peut-être, de dire « mais je n'avais pas compris, je ne savais pas ». Et l'autre peut-être ne nous croit pas vraiment, mais accepte ce que nous avons pu dire. Il a traduit dans sa tête le « je ne savais pas » par le « je suis désolé ». Le verset 27, « Alors Abraham prit du petit bétail, du gros bétail, qu'il donna à Abimélec, puis conclurent une alliance tous les deux. »
Abraham accepte la bonne volonté de réconciliation d'Abimélec. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que c'est Abraham qui se plaint d'avoir subi une perte et c'est lui qui offre un cadeau à Abimélec. Il y a pour moi là une ombre de l'enseignement le plus profond de l'Évangile. Versets 28 à 32. Abraham plaça à part, après le cadeau qu'il vient d'offrir à Abimélec, 7 brebis du troupeau. Abimélec dit à Abraham, mais qu'est-ce que c'est 7 brebis que tu as placées à part? Abraham répondit, tu prendras ces 7 brebis. Ce sera pour moi un témoignage que c'est moi qui ai creusé ce puits. C'est pourquoi on appelait ce lieu Bersabé, puits des 7, ou puits du serment, car c'est là qu'ils prêtèrent serment l'un et l'autre. Ils conclurent donc une alliance à Bersabé, après quoi Abimélec et Picol, le chef de son armée, retournèrent au pays des Philistins. Voilà que le cycle recommence. Pour éviter des nouvelles disputes dans le futur, c'est Abraham qui devient à son tour proactif. Il met les choses au point et donne à Abimélec un signe pour qu'il se souvienne toujours de leur conversation et à qui appartient ce fameux puits. L'histoire s'achève avec cette information. Verset 34, Abraham séjourna longtemps en immigré au pays des Philistins. Mais juste avant ce texte-là, au verset 23, il nous est dit autre chose. Abraham planta un tamari à Bersabé et il invoqua le nom du Seigneur, Dieu de pérennité. Alors, je ne crois pas qu'Abraham fût un adepte de l'écologisme. Et pourtant, il planta un arbre. Un arbre pour célébrer l'événement. En fait, cet arbre fut planté en invoquant le nom du Seigneur. Abraham, bien sûr, remercie Dieu d'avoir béni sa relation avec Abimélec en dépit des difficultés. Mais beaucoup plus que cela, il montre la conscience que cette amitié préservée ne concerne pas simplement sa petite personne, mais les générations futures aussi. Certains rabbins commentent ce passage en disant que Abraham ne planta pas un simple arbre, mais tout un verger, afin que ces arbres fruitiers puissent donner à manger aux générations futures qui habiteront ces endroits. Une relation préservée, une relation restaurée, dépasse le simple cadre personnel pour devenir, entre les mains de Dieu, une bénédiction qui dépasse les limites de nos vies individuelles. Entretenir des bonnes relations, poursuivre et restaurer la paix est une responsabilité que nous avons vis-à-vis d'une réalité plus ample que ma petite histoire personnelle. Cela concerne aussi notre postérité et notre entourage. Ce n'est pas simplement pour nous faire du bien, mais c'est une responsabilité aussi vis-à-vis d'eux. Pour conclure, je vais citer une prière qui m'a été enseignée par un pasteur lorsque j'étais au Canada. Et il m'a dit, Lucas, écoute cela, écoute cette prière. Jusque-là, Seigneur, je me suis porté tout à fait correctement. Je n'ai pas fait de commérage, je n'ai pas été pété un plomb, je n'ai pas été avide, grincheux, méchant, égoïste ou trop indulgent avec moi-même. Je suis vraiment heureux et reconnaissant pour cela. Mais dans quelques minutes, Seigneur, je vais sortir du lit pour commencer ma journée. Et là, je pense avoir besoin de plus d'aide que de ta part. Merci pour ce que tu pourras faire. Certes, le Seigneur peut faire plein de choses tout seul. Mais il me semble qu'il privilégie la collaboration et la coopération avec ses enfants. Et aujourd'hui, je le crois, il nous invite à regarder dans cette histoire sa main et à retenir au moins ces 4 principes pour gérer nos relations interpersonnelles. Je vais les répéter. Principe numéro 1, sois proactif dans tes relations interpersonnelles. Principe numéro 2, fais preuve d'honnêteté et de bonne foi et demande que l'on fasse de même avec toi.
Principe numéro 3, si utile, exprime de manière appropriée tes frustrations et dénonce poliment les problèmes. Principe numéro 4, ne présume de rien. Ne fais pas de suppositions, mais aie le courage de poser les questions et d'exprimer tes vrais sentiments. Je sais très bien que parfois, même les meilleurs propos n'aboutissent à rien. C'est la vie. Et pourtant, il me semble que cette parole demeure toujours vraie, car elle nous fait du bien, même au niveau physique. Proverbe 3, versets 5 à 8. « De tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, mais reconnais-le dans toutes tes voies, et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne te crois pas trop sage, mais crains le Seigneur et écarte-toi du mal. Ce sera la santé pour ton corps. » Thank you.
Nous allons maintenant apporter nos dîmes et nos offrandes. Rappelons toujours qu'en le faisant, nous reconnaissons que tout vient de Dieu et que ce que nous allons lui donner vient de sa main. Je vous invite à vous lever pour la prière. Dieu notre Père, nous voulons encore te louer et proclamer ton nom merveilleux en t'apportant nos dîmes et nos offrandes. Nous ne sommes rien et ce n'est pas par nous-mêmes que nous avons le pouvoir de te les apporter. Nous avons tout reçu de toi et nous ne pouvons t'offrir que ce qui nous vient de toi. Nous t'en remercions au nom de Jésus. Amen. Thank you.
Mon enfant, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements. Je désire te donner longueur de jour, année de vie et de paix. Que la fidélité et la loyauté ne t'abandonnent pas. Écris-les sur les tablettes de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des humains. Que l'amour du Père, la grâce du Fils et la communion de l'Esprit soient avec nous tous. Allons en paix.